Le Conseil fédéral s'est préoccupé de plusieurs sujets. Le premier, toujours le sujet traditionnel de l'accès au foncier. Et puis l'accès au foncier pour les coopératives sur tous les territoires et sur tous les produits, que ce soit en métropole pour faire du collectif, dans la zone rurale pour faire de la CCMI, et puis aussi les autres produits que les coopératives peuvent faire, comme le syndic de copropriété. Le Conseil fédéral s'est aussi mobilisé pour que nos sociétés aient un accès au financement. Alors ce financement, il est pour nous en tant que société, pour nos projets, pour financer les opérations. Il est aussi sur nos acquéreurs, pour avoir des crédits bonifiés. Et donc le sujet, c'est des taux le plus bas possible avec le moins d'apport pour financer un maximum de clients. Et puis aussi le financement de nos sociétés, le financement de nos fonds propres, parce que les opérations, on le sait, sont de plus en plus longues, sont de plus en plus compliquées, et donc on a de plus en plus besoin de fonds propres. Puis le dernier sujet qui nous a préoccupés, c'est les nouveaux dispositifs à l'accession à la propriété. Et c'est surtout mobiliser les collectivités et l'État pour nous faciliter, nous aider à faire notre métier. Et donc quand je parle de nouveaux dispositifs, on a en tête bien évidemment le BRS, le bail réel solidaire, mais pas que. Il y a les actions cœur de ville, il y a les partenariats avec Action Logement, de multiples sujets pour nous aider à faire notre activité au quotidien.